là qui est de Mathieu Rigibango. Mokambia bilo ya tata mokonza ekolo Vital Kamere asi kokota na banzi mwa ngonga botangi na misapi yemei mokambia ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozana biso katune sika lelo eza mululu mabokitisi mabokambe epai wapi memorial ya basoda ba ekolo abiso ezwami elembo la botali sete lokumu eza kosonga epai na bango ezali basoda bakala ya mbototo zwa bosomi lipanda sepai na noko bazalaki ezali basoda baye baye simali pandasi pe baye tozali na bango kobandamia koto yoko kama libwa tuku libwa na sambo kino lelo ya koto ibale zomi na libwa bango baso nde bazali komemi ya bango katina oesika na mosala mokasi mwaza kosana sia bendele ya ekolo pona bobateli ndelo ya mabele bobateli babotama bobateli bandeko ndenge na ndenge ndeko atengo ozali awa baza kozila bana na kota swahili baso sola maimaza koleka awa na mokomolelo miazomi na sambo sasa itano mubuko te bale zomi na libwa. Asante ndugu Mathieu Mudibango, tutaelewa ya kwamba tuambie wasikizaji na wa television ya raia kuelewa leo tarehe 17 Mei ni tarehe ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendelea kuonesha heshima kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia waliogombea kupata uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliofariki, waliokuwa hai hadi leo. Tukianzia tangu kupata kwetu uhuru wa Kongo na mpaka leo hata mnamo mwaka wa 1977 na mpaka sasa. Ni hivi tuko kwenye masanganjia ya Rompwe Forescom ambako kumejengwa kinara kinahusika na kutoa heshima ya majeshi ya Kongo ambao waliofanya ushindi wa vita zamani kupigana katika mavita mbalimbali iliyosababisha. Hapa sasa tunaona kama rais amejiingiza na kukuya kwake ametayarisha kwa kupokelewa. C'est comme ça annoncé, voilà là sur le petit écran, nous voyons le cortège présidentiel qui s'amène. Je pense que c'est pour l'arrivée du chef de l'État bientôt, qui va arriver ici et accueillir à la place de soldats congolais, mon général. Oui, il va recevoir les honneurs de la garde républicaine. Et il va passer entre les soldats que vous voyez là-bas, qui sont de la garde républicaine, la haie d'honneur, avant de regagner la tribune. Et il y a les protocoles qui a prévu l'ordre de place qui détermine qu'après l'arrivée du chef de l'État, eh bien, il y a des activités qui sont prévues. Lequel par exemple? Et il y a, par exemple, on va exécuter l'hymne national. Après avoir exécuté l'hymne national, il y a la vraie installation du chef de l'État, il y aura le mot du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion. Et après, il y aura l'intention de prière. Eh bien, c'est l'arrivée du chef de l'État. On voit sur le petit écran le cortège se mobiliser devant le petit comité d'accueil. Bon. Et donc, après l'accueil par le comité, eh bien, le président de la République va s'installer. Il y aura un mot du ministre. Il y aura la prière qui sera dite par l'aumônier kimbanguiste. En chef, il est l'aumônier en chef le plus ancien parmi les trois. Il est salué par le ministre intérimaire de la Défense nationale, l'ancien combattant et réinsertion, Michel Bongongo, et la bourgmestre de la commune de la Gombe. Justement. Et après, après la prière de l'aumônier, le chef de l'État, le commandant suprême, va déposer la jette des fleurs devant le... devant notre monument. Et après, il y aura l'hymne. Pendant qu'il dépose la jette des fleurs, il va rester là-bas pour qu'on exécute l'hymne aux morts. Moi, général, je vous interromps pas. Est-ce que la haie d'honneur, là, c'est ce qui remplace la troupe de revue ou quoi? Oui, chaque cérémonie a son protocole, a son cérémonial, pour ne pas me répéter. Et ici, lui, il ne peut que passer... la troupe, il ne passe pas la troupe en revue, mais il passe les hauts d'honneur et il va s'installer à la tribune. Je disais tout à l'heure qu'après le dépôt des de fleurs, il y aura l'hymne aux morts et puis la remise des allocations et faits carrière aux représentants des retraités de 2003. Est-ce qu'il y a un échantillon? Il y a un échantillon d'une vingtaine de militaires, tout grade confondu. Il y a les généraux, il y a les officiers supérieurs, il y a les officiers subalternes, il y a aussi les épouses, les veuves de ceux qui sont morts. Voilà. C'est l'arrivée, je disais, le chef de l'État prend place à la tribune d'honneur. C'est l'hymne national.
Bien. L'hymne national exécuté, terminé. Et maintenant, on passe à une autre activité. Monsieur le président de la République, distingués invités, la cérémonie d'aujourd'hui célébrons la journée des forces armées de la République démocratique du Congo. La commémoration de cette journée sera symbolisée par le recueillement sur ce monument. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du CENSA, Excellence le doyen du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la province de Kinshasa ad intérim, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le programme va commencer par une brève prière qui sera dite par l'aumônier militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette intervention du révérend pasteur sera suivie de l'allocution de circonstances de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et réinsertion. Ensuite, le protocole aura le privilège d'inviter Son Excellence Monsieur le Président de la République à déposer la gerbe de fleurs au monument du soldat congolais. Séance qui sera ponctuée d'un cérémonial particulier de circonstances. Avant de clore cette cérémonie, le chef de l'État procédera à la remise des allocations de fin de carrière à un échantillon de bénéficiaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons l'aumônier militaire pour la prière. Révérend. C'est tout à l'heure la prière de l'aumônier. C'est l'aumônier kimbanguiste qui est le plus ancien de tous les trois aumôniers. Oui. Parce que nous avons l'aumônier catholique en chef, l'aumônier protestant en chef, l'aumônier kimbanguiste en chef. Il est le plus ancien. C'est lui qui a été choisi pour faire la prière. Ok, on va suivre tout à l'heure la prière de l'aumônier en chef, l'aumônier kimbanguiste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Monsieur le Commandant suprême, ce n'est pas une prédication, mais nous allons faire la lecture d'un passage biblique qui sera pour nous comme message des militaires. Et après, nous allons finir par une prière. Le message que nous avons choisi en ces jours est tiré du livre de 2 Samuel, chapitre 11, versets 8 à 11. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis le roi dit à Uri, « Va chez toi et repose-toi. » Uri quitte le palais et le roi lui fait porter un cadeau. Mais il ne va pas dans sa maison. Il va dormir avec les gardes du roi à l'entrée du palais. David l'apprend, alors il demande à Uri, voyons, tu viens de faire un long voyage et tu n'es pas rentré chez toi. Pourquoi donc? Uri répond à David, Monsieur le roi, le coffre sacré est sous une tente. L'armée d'Israël et le Juda habitent sous des tentes. Le général Joab et les officiers campent dans les champs. Moi, pendant ce temps, est-ce que je peux aller dans ma maison pour manger, boire
et dormir avec ma femme. Je le jure, je ne ferai jamais une chose pareille. Amen. Le message, c'est juste un officier militaire qui était appelé du front en concertation. Il arrive chez le roi, Israël est en guerre, mais ce qui m'a beaucoup marqué, la réponse de cet officier qui avait les soucis nationalistes. Il y avait l'amour patriotique. Il avait l'esprit d'équipe avec ses confrères qui étaient au front. Il ne voulait pas ni manger, fêter, être avec sa famille du moment où ses collègues, ses compagnons d'armes sont à guerre. Ça, c'est un message très capital à nous tous qui sommes là. Si nous pouvons avoir cet esprit de compassion envers nos frères, nos sœurs de l'Est actuellement, sous pression, sous tension, sous guerre, et surtout à nous les officiers militaires, si nous pouvons avoir des pareils officiers qui ont l'amour de la guerre, qui ont l'amour des soldats, je pense que nous allons vaincre la guerre et la paix sera rétablie à l'Est. C'est un message que j'ai tiré sous inspiration du message, une des interventions du commandant suprême quand il disait « Je serai heureux en tant que président les jours où j'entendrai que la guerre de l'Est est terminée. » Alors, ça m'a inspiré à cet officier qui avait la même ambition, qui ne pouvait pas se réjouir, fêter en ville du moment où les autres qui sont au front sont en train de souffrir et de mourir. Portons tous ces messages, ces soucis-là. Si tout le monde peut porter ces soucis-là, ensemble, je crois, la guerre de l'Est sera vaincue et l'Est sera pacifiée. Voilà le petit message. Nous pouvons tous profiter de cet officier général qui avait le souci de son pays établir la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions car tu es infiniment bon. Tu es le créateur des cieux, de la terre et de nous les hommes. Nous voici réunis en ces lieux pour commémorer la mémoire de nos forces armées, des soldats de nos forces armées. Nous te demandons, Dieu des armées, de nous aider aussi en ces jours, que tout le monde puisse avoir ce souci-là de pacifier l'Est du pays. Nous te demandons aussi que tu puisses habiter parmi nous et que tu puisses doter la force spirituelle nécessaire aux militaires qui sont engagés pour qu'ils puissent vaincre et pacifier notre est du pays. Nous mettons cette cérémonie entre tes mains, que tu puisses être alpha et oméga, que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Bénis le président de la République qui est notre commandant suprême. Bénis toutes les autorités qui ont voulu accepter à venir participer avec les militaires à cette grande fête qui est dédiée aux militaires. Bénis les militaires qui ont payé de leur sang pour la pacification du pays. Pense aussi à nos familles, à nos enfants, aux veuves, aux orphelins. Et nous te demandons que tu puisses nous bénir tous qui sont venus en ces lieux et que commence avec toi, que nous puissions aussi cheminer avec toi et que la fin soit heureuse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon général, n'est-ce pas ça? C'est l'aumônier en chef Kim Banguiste qui a été désigné par ses pères pour venir dire cette prière. Et c'est une prière très profonde. Et c'est et là, nous invitons pour son allocution, Monsieur le ministre d'État, ministre des Défenses nationales et réinsertion. De cœur avec tout à fait. Ce qui souffre, être ensemble en esprit et aussi
dans le corps et en esprit. Oui, bientôt. La circonstance du moment. Il va souscrire l'événement et effectivement nous aurons beaucoup d'informations de par son discours. Mathieu Moudibango, tu peux dire quelque chose à nos amis qui nous suivent de l'intérieur du pays, de l'Équateur, de Maïndopé. Excellence. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, excellences, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les officiers généraux supérieurs et subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est un réel plaisir que je vous souhaite au nom de la communauté militaire, la chaleureuse bienvenue en ce lieu où est érigé le mémoire du soldat congolais, symbole de la reconnaissance de la nation congolaise vis-à-vis de ses filles et fils œuvrant au sein des forces armées. Mes souhaits de bienvenue s'adressent particulièrement à Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'État et Commandant suprême des Forces armées, qui a bien voulu ce 17 mai 2019 présider personnellement les cérémonies commémoratives de cette glorieuse journée. Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous le savons tous, le soldat congolais, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, reste et demeure la colonne vertébrale de cette grande nation congolaise, forte de plus de 60 millions d'âmes qui peuplent
une superficie de 2 345 410 km² au cœur de l'Afrique. Durant tous les combats et toutes les batailles, partant des victorieuses campagnes d'Abyssinie, lors de deux guerres mondiales, à la lutte contre différentes rébellions, aujourd'hui, contre les groupes armés, sans oublier les interventions militaires au Tchad, au Togo ou en République centrafricaine, dans le cadre de la faire et de loyauté dans l'accomplissement de son devoir et de sa destinée, n'hésitant pas à verser son sang pour la patrie et pour la paix dans le monde. Lorsque le soldat de la force publique fut l'aiguillon de la construction de l'identité citoyenne du Congolais, celui des années 1960 à 1997, a joué le rôle combien important de ciment de l'unité nationale face aux multiples rébellions. Le soldat congolais de nos jours s'affirme quant à lui comme le garant de l'intégrité du territoire national face aux multiples agressions extérieures et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Comme par le passé, le soldat congolais finira par éradiquer l'ennemi, même si ce dernier s'est lancé dans une guerre asymétrique pour échapper à la puissance de feu de FARDC. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la journée du 17 mai 2019 nous permet de nous remémorer les différents actes de bravoure du soldat congolais depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Cependant, toute cette activité professionnelle mérite une récompense qui peut revêtir diverses formes. En effet, de sa carrière, le militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a droit, conformément à son statut réglementé, par la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013, il a droit à une récompense, à une rémunération et à des avantages sociaux. Ainsi, lorsqu'intervient la cessation définitive de service, notamment par la retraite, l'officier ou le sous-officier a droit à l'allocation de fin de carrière s'il a accompli au moins 22 ans de service. L'acte que le gouvernement de la République concrétise aujourd'hui est le résultat
d'un long processus initié depuis plusieurs années. Aujourd'hui, sur instruction de Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement va procéder au paiement des allocations de fin de carrière pour 267 militaires, toutes catégories confondues, mis à la retraite honorable 2003. Par ce geste loi et grandiose, posé en ce jour de la fête de nos forces armées, la nation congolaise vient de confirmer sa volonté d'honorer dignement ceux de ses filles et de fils méritants qui ont porté le sacerdoce de la défense de la patrie jusqu'à l'épuisement de leurs forces. Il faut noter que des dispositions sont désormais prises pour que tous les retraités de nos forces armées puissent percevoir dans les mois qui suivent chacun son allocation de fin de carrière conformément à la loi. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, afin de terminer mon allocution, je voudrais, commandant suprême des forces armées de la République du Congo, qui permet de raviver un repos digne et serein dans le chef des militaires retraités et ceux encore en activité. À cet instant si particulier, qu'il plaise à votre autorité de m'autoriser à demander aux militaires des FARDC ici présents de scander leur slogan, dont l'idée maîtresse conçue à l'époque de l'État indépendant du Congo s'est transmise presque intégralement à travers la nuit des temps jusqu'à ce jour. Militaires des FARDC, votre devise. Militaires FARDC, votre devise. Militaires FARDC, votre devise. Je vous remercie pour votre aimable et bienveillante attention. La suite, c'est que on invite le problème à poser. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence Monsieur le Président de la République à déposer la gerbe de fleurs comme monument du soldat congolais.
s'avance petitement vers le mausolée, vers le pied du mausolée. Il avance vers le pied du mausolée. Il y a un point de fleurs qui est là, il va toucher et puis on va exécuter l'hymne national. Disons l'hymne aux morts. Voilà qui s'incline. Il rend hommage à tous nos dévanciers et à tous les militaires, tous les policiers qui sont morts et qui ont sacrifié de leur vie, puisque nous ne jamais trahir le Congo, mais nous défendrons ce pays jusqu'au sacrifice suprême. Et c'est symbolique. Effectivement. Bien, le chef d'État est là, on voit bien sur le petit écran, il vient de terminer. Sans doute il va reprendre place à la tribune d'honneur. Et à l'entretemps, on va intervenir bientôt dans quelques instants. L'hymne, comme vous l'annoncez tout à l'heure, mon général. L'hymne aux morts, à l'écouter et tout le monde sera en garde à vous. Tout le monde va saluer tous ceux qui sont morts. Voilà. C'est l'annonce protocolaire. Nous avons parlé longuement de prouesses de la force publique. Nous avons parlé aussi de hauts faits de forces armées de la République démocratique du Congo. Et maintenant, parlons un peu des retombées de la réforme de cette force armée de la République démocratique du Congo, mon général. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces retombées? Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans un instant, le protocole vous priera de bien vouloir revenir pour pouvoir remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon de bénéficiaires représentés ici par les vaillants militaires à qui nous allons demander de s'approcher au fur et à mesure qu'ils seront appelés. Ainsi, nous appelons 1. Le lieutenant-général Musala Mungia Ndongo. 2. Le général-major Molamba Peneloa. À l'époque, il a fait beaucoup d'opérations militaires, bien sûr. Même celui qui suit, c'est le général. 3. Le général Malumalu Tianda. Ça n'a rien à voir avec 4. Le général Molamba Nunu. Le général de brigade Chikudi Bakajika. C'est comme le général Malou qui a été même ambassadeur. Le général de brigade. Oui, aux États-Unis. Et 5. Le colonel Bitodi Sina Kisengele Charles. Le colonel Bitodi qui a été G1 pendant longtemps. C'est-à-dire le responsable numéro 1 de l'administration de l'armée. Ça me rappelle, il a plusieurs fois signé mes feuilles de route pour mes missions à l'intérieur du pays. Il y a aussi le colonel Mbilo. Excellence, monsieur le président de la République, qu'il est à votre honneur de remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon des bénéficiaires ici présents. Excellence.
nous avons dans les lots aussi le lieutenant-colonel Amundala. Amundala, oui. Il y a aussi le lieutenant-colonel Amoukadi. Il y a le major Beya Kassongo. Il y a le major Maléo Stanislas. Avoir la liste, c'est que il n'y a pas seulement d'officiers généraux supérieurs, il y a aussi. Et on a plus de 20 officiers supérieurs et de 20. C'est l'orphelin. Quoi, c'est l'orphelin? L'orphelin, c'est que le papa est décédé et comme la maman n'est pas là, c'est qu'elle est décédée aussi et elle vient toucher l'allocation de fin de carrière de son défunt papa. Est-ce que, mon général, vous avez une idée que ça représente cette allocation-là? Qu'est-ce que ça représente? Écoutez, c'est pas un secret. Il ne faut pas mettre toutes les familles pour venir déranger ces pauvres gens qui ont combattu ce pays. Ouais. L'administration s'en occupe. L'administration sait comment ça s'est fait. Il y a des calculs qui sont faits pour payer les allocations de fin de carrière. Et moi, je ne suis pas administratif, je ne pourrais pas vous donner les détails là-dessus. Mon général, est-ce que l'enveloppe va s'élargir à ceux qui ne sont pas ici présents? Puisque il n'y a pas que seulement 20 ou 4 personnes de 2003 qui sont là. On vous a dit, ils sont au total, je pense, le ministre de la Défense là. L'a souligné, ils sont des centaines, hein, ils sont des centaines qui doivent bénéficier de ces allocations. C'est tous ceux qui ont été retraités, en 2003, hein, ils sont au nombre de 267 militaires, tous grades confondus. Il y a officiers, des officiers généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes, il y a aussi des sous-officiers de soldats. Donc les guichets des bancs sont tous ouverts, ces gens-là aussi. L'ambiance continue ici, mon général. Sans doute peut-être que... Excellence, monsieur le président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. La couronne de fleurs. Un échantillon d'officier. Et l'exécution de l'hymne national marque exactement la fin de la cérémonie. Et je vous annonce, il y a d'autres cérémonies qui seront. Oui, au Cacorolo tout à l'heure là. Au tout à l'heure, ce sera le dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus au profit du personnel féminin de l'armée de la police. Et le soir, il y aura le président est venu à offrir un repas des corps. Terminé en beauté, oui. Militaire, militaire, et il sera représenté par le ministre de la Défense. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mon frère Komoudi Bangou, tu peux décrire le péripétie de l'ambiance qui a régné ici à la place du militaire congolais, ici à la place de Forêt.
Ya solo bolandi na mululu awa omata kanelo ma forescom lolenge ka ni moko malwe ka bona ki na biter mi balé yamboza ki teni eye mokambe kolo akitisi liboke li ambe Félix Antoine Sekitiombo pona kopesa sulo kumu na soda ekolo Congo démocratique oyo azai ko munda kilo lelo pona bokimia na etando ekolo kobatela babota kobatela biloko biso ba ekolo osala mokasa za kosala se abendela ekolo biso Congo démocratique mokambe kola pesi lokumu na bokiti liboke li ambe esika ezai na memorial ya soda ekolo Congo etende ya ibale ya makasi lisusu ezalaki kopesa lokola koyeba misala mie bango basalaki ezali banani babundi bakala okate ekolo ya biso Congo démocratique kasi oyo ezali mwa ndambo oyo ebolali baike kasi mwa ndambo ekokina na bato banso lolenge kani mbola uti kopesa envelopi ya misolo kati na moko moko pe akumisi bango na mosala masalaka mpona kobatela ekolo ya biso Congo démocratique nde esengo ekasi emotisami mokomwa lelo na bokutana biso kati na oyo esika Rachel Keta.